Au principe, vous êtes là. Là, c'est ça. Venez, venez. Viens, recule, recule. Doucement, sinon, vont l'arracher. Ouais, l'avion vient d'atterrir. Yo, pardon. Moi je prends ici. Thank you.
Comme vous le constatez, l'avion vient d'atterrir. D'un moment à l'autre, le président Laurent Gbagbo va descendre de l'avion pour le pavillon présidentiel. Donc, soyez connectés, partagez le direct, partagez sécurisé, partagez. C'est un moment historique. Chacun de nous, ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, sont atterrés. Vous nous suivez depuis l'aéroport international Félicie Houphouët Boigny. Nous allons, par la grâce de Dieu, vous faire vivre ce moment historique qui se produit une seule fois. Vous le constatez avec nous, vous le savez bien, le président Laurent Gbagbo a passé 10 ans hors de son pays. Il était poursuivi, crime contre l'humanité. Tout le monde sait comment il est parti. Il est parti notamment humilié dans des conditions misérables. Donc, nous réglons. Comme tout à l'heure, ils vont bien plus carburant. Mais néanmoins, nous sommes là pour faire vivre cet événement importantissime. Par grâce de Dieu, vous n'allez pas rater un seul instant de ce moment fort, ce moment historique, ce moment grand
Oui, ce montant attendu par les Ivoiriens, par toute la Côte d'Ivoire. Mais vous le constatez depuis le matin, les forces de l'ordre, malheureusement, ça donne à des attitudes peu réduisantes qui honorent peu notre pays. Ouais, ils dispersent à coups de gaz lacrymogène les populations qui souhaitent accueillir le président Laurent Gbagbo. Mais nous nous inscrivons toujours dans la paix et notre intention n'est nullement de créer une quelconque frustration ou une quelconque, je dirais, affrontement. Donc nous demandons aux autres de se calmer. Le président Gbagbo revient chez lui. La Côte d'Ivoire, c'est son pays. Il a droit aussi à y vivre comme tous les autres. Et voilà. Donc, comme vous le constatez, les mots. Ah, d'accord, il est sorti. Léo, il est déjà descendu. Hein. Pardon. Libérez le passage, encore une fois, s'il vous plaît, libérez le passage.
Libérez le passage, s'il vous plaît. Libérez le passage. Monsieur le président. Monsieur, si vous voulez libérer le passage. Voici le président. Voici le président. Vous pouvez y aller? Oui. Alors, le président là. Mais,
Sortez, les garçons. Le président est là. J'ai fait un peu, mais bon, je suis le traître. Le personnel même est... Le tonnerre avec la main. Oui.
C'est bon? Léo, il est bon. Oui! 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 Il fait quoi? Hein? Il a pas de droit. Oui, maître. Maître, vos premières impressions. On est content d'arriver, c'est pas grave. D'accord, merci. Bonne arrivée encore sur votre terre. Il est avec Maître Atil, comme vous le constatez. Enlève le bras. Maître Atil, l'avocat du président. Jennifer aussi. Naori. Un mot. Oui. Odoa Naori est là. Odoa, oui. Oui. Merci pour tout ce que vous avez fait. Oui. Oui. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour le boulot. Vous êtes chez vous.
Oui, il y a le ministre Hubert Houlaye qui attend le président qui est déjà là. Monsieur le ministre, votre impression, le président est déjà là, vous l'attendez impatiemment? On l'attend impatiemment, on voit la voiture, on l'attend. Oui, c'est une joie totale ici, tout le monde est heureux. Le président vient de fouler sa terre natale, c'est la joie, il est en compagnie de ses avocats, Maître Naori et Maître... C'est. Ouais. Ah ben c'est la joie est immense. Ah. Qui fait ça même? On peut. Le SGA, votre impression? Le SGA, vous venez d'arriver avec le président. Votre impression? Pour l'instant, il n'a pas d'impression. Je veux que le président sorte d'abord. Ok, d'accord. Il en coule au moulin, il en coule au moulin. Excusez-nous. Oui, la connexion veut zaïer. Oui. Bon mot, l'honorable. Souci de connexion, hein. Donc par moment vous constaterez que ça s'entrecoupe, c'est un problème de connexion. Vous savez, hein, d'accord, c'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, on fait ce qu'on peut pour vous faire vivre l'événement. Hein. Voilà, on fait ce qu'on peut pour vous faire vivre l'événement. Oui, ça a le prix. Donc, soyez indulgents. Hein. Le Woody, on va sortir.
Et oui, c'est réel. Et non, le virtuel Laurent Gbagbo est effectivement en Côte d'Ivoire. Les honorables sont là. S'il vous plaît, vous libérez. Oui, oui. La voiture va farcer comme ça, messieurs. Oui, oui. Allez là-bas. Oui, ils sont là. On va laisser le passer. Les honorables sont là. La voiture. Les députés sont là. Les députés sont là. Les députés sont là. Le bâtiment. Mais faut dire devant le bâtiment. Dis devant le bâtiment. Il faut le voir. Reculez les gars. C'est bon.
président n'a pas besoin de député. Oui, on dirait qu'elle est un peu comme ça. Elle est chère pour la même. Oui, je vois, elle est même. Elle n'a pas été. Tout est ici. C'est un moment historique. C'est du diamant bleu. Les chaises sont devant ici. Vous permettez que vous me parlez. Article et puis now. Oui, chef. Voilà. Tu vas voir que lui va te dire, ça va te dire, c'est aussi. Voilà, c'est en direct. Thank you.
Voilà, il va s'allumer, il va toujours comme ça, là il va s'allumer, mais il est drôle. Vous suivez en direct l'arrivée du président Laurent Gbagbo sur sa terre natale, 10 ans après. Oui, l'homme qui est parti nuitamment, humilié. Voilà son retour. Vous vivez en direct son retour. Comme vous l'avez constaté, hein. Voilà. Tchi! Voilà, il va voir une petite salut. On a fait la balle. Il peut pas, il va aller, il va le saluer. Ouais, c'est pas facile. Les gens ne vont pas aider. Oui, le Woody est là. Le Woody est là. Le Woody de Mama est là. Comme vous le constatez, le président Laurent Gbagbo ne fera pas son entrée dans le parvenu présidentiel. Voilà. La foule qui l'attend, quand il veut rentrer dans le pavillon, c'est pas tout de suite qu'on va quitter l'aéroport. Donc vous comprenez hein, bien voilà, les raisons pour lesquelles le président ne passera pas dans le pavillon présidentiel. Oui, nous remercions ceux qui ont mis à disposition le pavillon, mais là, franchement, nous ne pourrons pas. Le président ne pourra pas y entrer. Voilà. Oui, donc il va saluer dehors ici et puis bon, il va prendre la direction de Tatoban où une foule immense et grandiose l'attend. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, le Woody de Mama est bel et bien sur sa terre natale. Vous avez là le frère aîné de le président Abdramane Sangaré. Oui, il est toujours au grand rendez-vous. Il est là. Il est là, vous le constatez. Ce n'est pas facile, les gars. Vous le constatez, vous voyez le président là. Tout le monde veut le toucher. Tout le monde veut le toucher. Tout le monde veut le voir, veut le sentir. Mais là, vraiment, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Voilà. De toutes les façons, il n'est pas revenu pour repartir.
il est là pour de bon. Il est là pour de bon. Aidez-moi les gars. Thank you.
Kibouti. Kibouti, ta maman. Bon, merci, merci de nous avoir suivi. On va se diriger pour Atoban. On prend direction Atoban. Le président, il est monté. Bon, à plus, à plus, à plus. Merci, merci. Merci pour tout.